Votre soutien est essentiel pour faire grandir la chaîne et continuer à vous proposer des contenus de qualité. Chaque don, quel que soit le montant, me permettra de poursuivre notre passion et de vous offrir toujours plus de vidéos captivantes avec des invités de qualité. Ensemble, faisons de cette chaîne un lieu d'inspiration et de joie. Merci à vous. Bonjour, bienvenue sur Histoire et Révélation. J'ai le plaisir de recevoir Pam et Paul Panson où nous allons aborder un sujet. On va parler de tout ce qui est autour des entités. On va parler des extraterrestres. On va parler plein de choses. On va parler de tout ce qui est aussi un peu tout ce qui est controversé, tout ce qui nous paraît un petit peu pas normal. Alors, ma première question, je souhaiterais savoir comment vous êtes intéressé d'aborder le sujet. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé sur ce sujet, Pam? Des entités. Ouais. Lors de mes culturations, je suis passé un peu dans les livres alchimiques et les bioénergies et le chamanisme et la magie par les mages. Et à chaque fois, on est tombé sur un certain niveau d'études où les gens sont confrontés à la cohabitation ou à l'emploi ou à la création d'entités et, ou à la rencontre d'entités, si elles existaient déjà. Et donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire qu'il y avait, comme qui dirait, un truc. Et un jour, on a montré quelqu'un à l'écran. Enfin, quelqu'un à l'écran a montré des pièces de monnaie antiques où on a vu quelqu'un qui portait des cornes et qui était donc reconnu comme porteur de cornes, et ce qui m'a rappelé une rencontre que j'ai faite dans un voyage. Et du coup, tout s'est engrené et j'ai continué à pouvoir m'intéresser un peu plus au niveau ufologique, à plutôt qui conduisait l'OVNI, qui le pilotait, plutôt qu'à sa carrosserie. Et finalement, voilà quoi, il n'y a pas un sujet dans lequel, quelque part, on ne puisse pas se rendre compte ou imaginer que ce sujet existe et est à concevoir, plus ou moins. Ok. Paul ? Alors, moi, c'est vraiment des synchronicités qui n'en sont pas. En fait, quand j'avais 7 ans, j'étais allé avec... l'école, j'étais en Angleterre à l'époque, j'étais parti avec l'école à la library, c'est-à-dire à la bibliothèque, basiquement, bibliothèque, équivalent bibliothèque municipale, et j'étais passionné par les avions. Et donc, là, je tombe sur un livre sur les ovnis de la collection Osborne, qui est une collection anglaise extrêmement connue, illustrée, bon, pour les enfants, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que ça allait parler d'avions et tout. Et ça parlait de soucoupes volantes, et notamment des pilotes qui les conduisaient. Donc, ça parlait du cas de Kelly Hobsonville et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis après, c'est passé aux oubliettes. Du coup, après, mes parents ont déménagé. Bon, après, il y a toute la vie suit son cours. Et puis, j'ai complètement oublié ça. Et quand j'avais 13 ans, rebelote dans une librairie, cette fois la librairie anglaise de Paris. Je cherchais des livres de science et dans le rayon science et médecine, il y avait un livre d'ufologie, le livre de John Keel, Mysterious Beings. Et je me suis dit, tiens, je m'intéressais à ça petit, je vais voir ce qu'il en est. Et là, j'ai lu, ça parlait d'autres dimensions, de contacts qu'ont eu les gens et ça a été une révélation, d'autant plus que... j'avais fait la connaissance de ma grand-mère que je n'ai rencontrée que quand j'avais 12 ans. Et j'avais fait la connaissance de ma grand-mère donc un an avant. Et elle était médium, donc elle était dans les histoires de fantômes et tout ça. Donc du coup, c'est parti et ça n'a jamais cessé.
D'accord. Et justement, pendant tes recherches que tu as fait, qu'est-ce que tu as pu découvrir? Alors moi, j'ai découvert basiquement que l'humanité est manipulée par des forces non humaines, des forces extradimensionnelles, des forces qui agissent à plusieurs niveaux, à la fois au niveau physique, à la fois au niveau astral et aussi au niveau psychique. Et le niveau psychique, je l'aborderai dans une autre interview qu'on va faire, mais disons que il y a une manipulation au niveau physique par l'intermédiaire des abductions, par l'intermédiaire des contacts aussi, manipulation aussi de nos croyances, puisque ces entités sont capables de modifier leur forme, elles sont capables de modifier leur forme, basiquement, en fonction de nos croyances. Donc, c'est essentiellement ça que j'ai découvert et aussi. J'ai découvert dans mes recherches qu'on ne peut pas comprendre les événements au niveau des cinq sens si on ne comprend pas le paramètre des entités. Et puis après, ben, plus on creuse, plus on se rend compte que ces entités nous manipulent comme des pions, à la fois dans la vie quotidienne, à la fois au niveau collectif et aussi à la fois au niveau temporel, avec tout ce qui est manipulation du temps. Tout ce qui est synchronicité artificielle et tout ça. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a des entités positives, ce qu'on peut appeler des anges, des guides, peu importe comment on les appelle, mais que ces entités-là, elles se manifestent de manière différente des autres entités. Déjà, leurs manifestations sont beaucoup plus rares. Et d'autre part, quand elles se manifestent, elles donnent vraiment une information qui est claire, qui va aider dans l'ici et maintenant. Donc c'est vraiment différent leur manifestation, c'est beaucoup plus rare et surtout elles ne vont pas manipuler avec le programme du faux sauveur externe, elles ne vont pas promettre monts et merveilles, elles vont faire les choses aidées dans l'ici et maintenant. Donc voilà, en fait, pour résumer, on ne peut pas comprendre la situation de cette réalité, on ne peut pas comprendre cette réalité même si on ne comprend pas la notion d'entité, la notion de possession, la notion de manipulation du temps, la notion aussi de réalité holographique. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce que j'ai pu découvrir en près de 30 ans de recherche maintenant. Pam, et toi? C'est à peu près tout à fait ça. Je suis d'accord. J'allais dire qu'il y avait des bienveillantes, des malveillantes et des neutres. Et que peut-être même parmi les bienveillantes, on pouvait imaginer que si elles nous rendaient service, c'est qu'elles avaient quelque chose à y gagner quand même. Mais elles n'étaient pas du genre à nous soumettre comme les autres l'auraient fait, en nous trompant en plus. Il y a les neutres. Les bienveillantes, si elles agissent, c'est plutôt au niveau subtil, effectivement. C'est l'intuition qui va être favorisée, il me semble. En tout cas, à mon niveau, je dirais. Si j'en ai croisé, je ne m'en rappelle pas. Hein. Voilà. Moi, j'ai croisé une entité spéciale. Mais quant aux observations d'OVNI, pas vraiment. Par contre, ces temps-ci, on est obligé, quelque part, maintenant, de faire une relation avec la géopolitique. Et avec la disclosure actuelle américaine, où ils admettent enfin disposer d'au moins 120 engins rétro-ingénierés, disposés sur 147 bases secrètes, normalement, dont on peut ne voir à la surface qu'une petite cabane, tout étant en sous-sol ou dans les montagnes ou ailleurs. Donc, en même temps que le whistleblower a dit ça, qui a été repris et étudié, enfin c'est officiel, hein, c'est quand même le département de la défense américain qui l'admet, même s'il y a plusieurs courants là-dedans et que tous voudraient bien garder la main sur le narratif et puis favoriser sa version des choses. Hein. C'est un deep state qui lutte sur notre dos, mais de temps en temps il se tire entre ses pattes à lui-même. Hein. Donc, il a quand même aussi admis qu'ils disposaient de quelques cadavres des pilotes. Enfin, corps des pilotes. Et on sait, depuis l'interview de l'infirmière de Roswell, McElroy,
qui avait interviewé une entité appelée EBE1, entité biologique extraterrestre, hein, EBE, et EBE2 aussi. On sait que le gouvernement américain, depuis 1947, en fait, depuis entre 47 et 50, la création de la NSA, de la CIA, du NRO, de tous ces offices qui vont contrôler absolument toutes les relations entre la Terre et les ETI. On sait qu'à cette époque-là, il va y avoir contact avec des ETI qui vont faire des échanges avec, déjà avant Eisenhower, et puis Eisenhower lui-même, au niveau technologique, en échange d'une certaine cohabitation dont on ignorera les faits. Hein, c'est-à-dire qu'on va laisser les ETI faire ce qu'ils veulent sans s'en mêler, en fonction d'un contrat qui, en fait, ne sera pas respecté. OK. Eh bien, justement, j'ai une question pour vous deux, là. Quand vous entendez des gens vous dire « bonne et mauvaise entité », qu'est-ce que ça vous dit, Paul ? Bonne et mauvaise entité, beaucoup, il y a clairement des bonnes entités, entre guillemets, c'est les entités dont on a parlé, c'est ce qu'on peut appeler les anges et tout, qui aident vraiment dans l'ici et maintenant, qui aident, comme l'a dit Pam, au niveau beaucoup plus subtil. Et même là, il faut beaucoup se méfier parce qu'elles ont peut-être, pour certaines au moins, leur intérêt, leur propre intérêt. D'ailleurs, c'est Stuart Ferdlon, un chercheur américain, une victime aussi de ces programmes, justement, d'abduction, de contrôle mental, et tout ça, qui a dit qu'il n'a jamais rencontré, dans tous les contacts qu'il a eus, d'extraterrestres raisonnables. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Mais bon, il y a quand même des témoignages d'entités vraiment positives qui aident dans l'ici et maintenant. Maintenant, pour la plupart, bonnes et mauvaises entités sont une seule et même chose, c'est-à-dire que ces entités, qu'on les appelle extraterrestres, extradimensionnels, qu'on les appelle djinns, démons, reptiliens, peu importe comment on les appelle, elles sont capables de manipuler la perception des gens. Donc, elles peuvent se manifester de plusieurs manières différentes. Parfois, elles se manifestent telles quelles lors d'abduction. Parfois, elles se manifestent sous une forme beaucoup plus humaine, entre guillemets, lors d'expériences qu'on appelle d'expériences de contact. Mais c'est très souvent les mêmes entités. Et qu'est-ce qu'elles cherchent à faire ? Elles cherchent à vampiriser l'énergie. Basiquement, elles jouent avec les abductés, elles jouent avec les contactés. Après, il y a tout un programme d'hybridation et un programme de contrôle mental derrière tout ça, contrôle mental lié directement aux entités, dont on reparlera dans une autre interview. Et il y a aussi ce vampirisme psychique et même physique. Dans les contacts, ça peut paraître beaucoup plus positif au départ, mais les entités jouent avec les contactés. Ça va être un jeu qui va porter sur les noms, par exemple, Billy Mayer, un contacté célèbre. L'entité principale qui l'a contacté, c'est Semyaz, et ça, c'est la même prononciation que Semyaz, un démon, justement, dans la Bible. Donc, on voit bien que les entités jouent avec cela. Elles jouent tantôt le rôle de gentil, tantôt le rôle de méchant, pour manipuler l'humanité dans un certain sens. Quand on voit ce qui arrive aux abductés et ce qui arrive aux contactés, ce sont les mêmes choses. Par exemple, les abductés vont être vampirisés, destruction de leur couple, beaucoup de maladies. Les contactés qui paraissent avoir des expériences beaucoup plus positives vont aussi subir les destructions de leur couple, la perte de l'argent, des maladies, de la fatigue, à tel point que beaucoup de contactés vont être détruits par les entités. Par exemple, Adamski, basiquement, a été détruit par les entités qui l'ont contacté. Beaucoup de gens qui sont censés être en contact avec la Confédération galactique sont en fait en contact avec des entités qui se font passer pour des entités positives et bienveillantes. Quand on décortique
les messages reçus par ces contactés, on se rend compte que c'est purement et simplement le programme du faux sauveur externe, l'asservissement de l'humanité. Et derrière tout cela, il y a ce qu'on appelle le transhumanisme, une envie de nous faire fusionner avec la machine, une envie de nous vendre cette fusion avec la technologie pour basiquement phagocyter notre âme. Donc, pour faire simple, basiquement, les bonnes entités sont les entités organiques qui ont une connexion divine, qui sont issues de Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle, qui ont une âme. Les mauvaises entités sont des entités synthétiques, des entités inorganiques qui n'ont pas d'âme, qui se comportent comme des machines, qui sont des formes d'intelligence artificielle. Voilà, en tout cas, pour simplifier un petit peu. Pam. Alors, dernièrement, je me suis passionné pour la divulgation aussi de la part du Farsight Institute, qui est un institut qui pratique le remote view et qui dispose d'éléments, enfin d'agents, si on peut dire, assez efficaces. Et il décrit notre univers local, un peu de la même manière que le fait aussi Wes Penray, comme étant un petit pourcentage qu'on va estimer à 4% du cosmos local, qui est chapeauté par les entités prédatrices globalement, et leurs institutions, leurs associations, leurs gangs, leurs magouilles et les différents plans auxquels nous sommes actuellement soumis à chaque fois, hein, que ce soit la finance, la santé, le spirituel, quoi d'autre, les sciences aussi. Oui, là, c'est les sciences, les énergies libres, l'électricité dans un univers électrique. Enfin, ils sont à tous les niveaux. Alors, je ne veux pas me perdre. Donc, je reprends. Et donc, le Farsight, lui, est en contact avec des entités qui décrivent la situation comme la Terre est une prison planète, une planète prison, dans laquelle on se fait berner allègrement par les entités prédatrices depuis de nombreuses générations, a priori, en général, pas tout le monde, mais il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont là à se parfaire en reprenant à chaque fois tout le boulot depuis zéro, à peu près zéro, ou une petite fraction de ce dont on devrait se rappeler. Ce qui signifie qu'à mon avis, effectivement, il est illusoire d'imaginer être en train de se parfaire, hein, puisqu'on recommence tout à zéro. Dans un monde où tout sera fait pour nous mettre des bâtons dans les roues, puisque c'est un des moyens de tirer de nous le plus de louches possible, en nous énervant, en nous bloquant, en limitant de toute façon l'évolution de toute l'humanité le plus longtemps possible et par tous les moyens possibles. Je rigole, mais parce que c'est l'horreur. Et que ça, on est très très loin de l'image idéale, idyllique, qu'essayent de garder en tête de nombreuses personnes ou que n'ont jamais eu qu'en tête certaines personnes, très en bisounours, et qui aujourd'hui, étant donné qu'elles sont spritchées, si vous comprenez ce que je veux dire, sont en train de muter physiologiquement et ne disposent plus du support efficace pour une âme qui sera le plus en contact possible avec les réalités naturelles, hein, qu'on va dire globalement, quoi. Bon, alors, eux, le Farsight, ils sont en contact avec ces bons ITI qui leur disent qu'il faut qu'on se bouge les fesses et que le seul moyen, en fait, que les gens puissent se réveiller, c'est qu'ils se rendent compte qu'on peut filmer au-dessus de tout, de chacun, de la maison de chacun, en regardant, en filmant le ciel à 120 images secondes avec des caméras dont on a un peu rectifié le spectre de captage, en travaillant sur les infrarouges essentiellement, mais pas que. Et avec, enfin, il a une méthode qu'il décrit gratuitement, hein, il n'y a qu'à traduire avec une extension sur son site farsight.com, me semble-t-il. Bon, alors on peut filmer, on peut voir des ovnis dont en fait, en général, à peu près 80-90% des observations vont montrer des ovnis pilotés par des négatifs. Et il dit, nous, dans les 4% là, de la KHA, d'après Wes Penray, c'est une appellation pour dire l'univers tout entier, sauf les 4% qui manquent, qui serait un petit peu sous l'égide d'Enki, Enlil, Anu, peut-être. Hein, c'est ça ce qu'ils ont fait à l'époque. Alors,
Donc, sont habités par les 90%, c'est des méchants, mais il y en a 10% qui sont gentils. Il faut qu'on se bouge les fesses. Quand il y aura une majorité d'humains qui demanderont un coup de main, eux pourront intervenir à un niveau où nous, la technologie nous a été supprimée. Si on avait eu accès à quelques technologies Tesla bien orientées pour défendre l'humanité et la servir, peut-être bien que les 90% de négatifs, de prédateurs, n'auraient pas les moyens d'être trop efficaces, d'autant plus qu'au lieu de développer essentiellement des moyens qui limitent le cerveau et l'évolution cérébrale, mentale, humaine, et plus que ça, hein, et les autres aussi, eh ben, on ne serait pas privé du seul moyen, quelque part, d'être au moins à égalité avec ces entités prédatrices qui nous redoutent. Quand on dispose de nos pleins moyens de puissance énergétique, elles nous redoutent comme le feu de l'enfer, parce qu'on les brûle. On peut s'en débarrasser, on est absolument disponible pour la souveraineté que l'on cherche tous et à laquelle on a tant de mal à croire, en fait, parce que tout a été fait pour. Ok. Paul, tu as quelque chose à rajouter à ça ? Oui, bah c'est ça, c'est cette notion de vraie création, de fausse création. Justement, nous, on a été leurrés à consentir à cette fausse création d'une manière ou d'une autre. Cette fausse création, j'aime pas employer le mot matrice parce que ça fait trop référence au film Matrix, mais on va dire que c'est une création qui fonctionne comme une espèce de simulation qui est holographique, qui est de nature électrique, d'où l'univers électrique et tout ça. Donc, on a été leurré absolument à consentir à cela. Et ce que je pense, c'est que pour se sortir de là, c'est vibrer au-delà des entités, parce que nous, on a une âme, une connexion divine qu'elles n'ont pas. Et vibrer au-delà des entités, ben, c'est à la fois la chose la plus simple et la plus compliquée. C'est tout simplement d'être heureux, de se créer son bonheur autour de soi, d'être informé parce que ces entités attaquent par le subconscient, ça c'est extrêmement important, mais c'est être heureux et transmettre ça à un maximum de personnes. Et comme nos pouvoirs créateurs sont court-circuités par ces entités qui nous font créer notre propre prison, c'est vibrer au-delà de ces entités pour créer une réalité humaine et non pas une réalité dominée par les entités sans âme. Et ça passe par la joie, le bonheur et l'amour pour qu'on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme parce qu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Donc en fait, tout est en nous, mais tout est fait pour nous tirer vers le bas. Quand on regarde le cirque de la politique, le cirque de l'actualité, c'est tout un énorme cirque avec des pantins, basiquement, qui nous tire vers le bas, qui nous fait créer une réalité de basse vibration compatible avec la manipulation des entités sans âme. Donc, vraiment, la chose à faire, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien, mais c'est pas toujours facile parce qu'on est tiré vers le bas en permanence par les égrégores, par le contrôle mental, par les merdias, par la bouffe, partout. Partout. Et puis, il y a aussi les influences des entités, le phénomène des pensées intrusives et tout ça qui parasite nos pensées, voire le travail de Jerry Marzinski et d'Eve Lorgen. Ensuite, il y a des timelines alternatives aussi qui nous impactent et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être centré dans cette réalité. Il faut être dans l'ici et maintenant, ou tout du moins présent, parce qu'on n'est même plus présent. Aujourd'hui, par exemple, je parlais avec une personne et je commence à parler du mois de septembre. Elle a dit, on n'est pas encore en septembre, on est en juin. Et je me suis dit, bah, c'est absolument vrai, on est en juin. Et comme quoi, on n'est jamais présent, tout est fait pour nous projeter dans le futur, pour nous projeter dans le passé et tout ça. Donc, c'est vraiment un travail sur nous à faire tout le temps. Ouais. Moi, je vais rajouter. Oui. Pardon. Vas-y. C'est un petit peu nécessaire. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. C'est un petit peu nécessaire à l'occasion. C'est le bon sens paysan, hein, de se projeter un petit peu en avant parce qu'on était dans des régions où on sait que la nature ne va pas fournir. Il faut avoir prévu. Hein. Le marin aussi.
Et aujourd'hui, on demande à tout le monde d'avoir prévu quelques jours de survie alimentaire et des filtres à eau, à air, de l'énergie, des bougies, parce que la situation l'exige un petit peu juste par lucidité. Mais ouais, on est bien d'accord qu'on va être le plus efficace possible en étant très centré dans l'ici et maintenant et en étant en confiance. Et d'autant plus si on sait qu'on est couvert, quoi, hein. On a prévu un plan B, on est au courant de la situation d'aujourd'hui. Et quand on est en famille, en tout cas, on sait où, on connaît les lieux de rendez-vous au cas où on s'est perdu, on sait où sont les postes de pour trouver du matériel ou les lieux de rendez-vous avec des amis. Ou, ben voilà. Il y a des choses à faire comme ça parce que le monde d'aujourd'hui, là, je ne suis pas zombie-zounours du tout, hein, et... Pour l'instant, même s'il y a des gens qui arrivent à dire qu'il y a des côtés positifs, parce que effectivement, hein, j'en parle, hein, tout n'est pas négatif quand on parle des ITI, de quelle espèce parle-t-on, et hein, depuis quand, avec qui, travaille-t-il, dans quel but, il ne faut pas être que négatif. Néanmoins, je vois se développer sur Terre que des mesures qui nous rapprochent de plus en plus de ce transhumanisme et de la prophétie d'Ahriman selon laquelle l'humanité se fera soumettre par le biais de sa technologie, donc l'informatique, la cybernétique, les fréquences, la 5G, la 4G, la 6G, enfin, je ne sais pas où ils en sont, les militaires, ils en sont sûrement à plus que ça encore. Largement. Avec des niveaux, oui. Avec des niveaux de possibilités de contrôle à distance qui sont hallucinants, là. Parmi les whistleblowers derniers, qui ont développé dans une conférence éditée par le docteur Stéphane Greer, lui très positif, hein, il ne voit que des positifs, je ne suis pas complètement d'accord avec lui, d'autant plus que les Américains, par exemple, depuis 1947, quand on voit la situation du monde, ce n'est pas avec des ITI positifs que les Américains ont été associés, ça me paraît clair. De l'autre côté, ces ITI-là, depuis 2004, ils ont viré leur point d'impact vers l'Est, et donc l'Asie et l'URSS. Et effectivement, en 2008, Poutine a fait un discours en disant « Jusqu'à présent, notre armée tenait avec la rouille et la peinture, mais ce n'est plus le cas. » 2017, il a dit « On a des armes hypersoniques, les Chinois aussi en disposent, il y en a d'autres. » Je pense qu'effectivement, il y a un glissement des pouvoirs qui était prévu par les Illuminati et autres de transformer les États-Unis en futur URSS et de faire basculer. C'est ce qu'on a vu effectivement. La Russie d'aujourd'hui n'est plus le communisme d'antan. On a des oligarques aussi qui travaillent en capitaliste. Enfin bon, il faut bien voir que les frontières ne sont plus ce qu'elles étaient. On est dans des jeux d'action entre multinationales qui n'ont pas empêché mondialement tout le monde de prendre sa petite dose d'un produit qui a des impacts de plus en plus évidents quand on est soumis à l'électrosmog. Et on traduit comme maladie aujourd'hui des états de santé qui sont plutôt dus à une intoxication excitée au maximum par ces électrosmogs qui peuvent arriver à des points de gamme, des points de hausse qui ne sont pas comptés dans les contrôles qu'ils font sur les appareils. Et d'ailleurs, il y a de gros problèmes dans l'honnêteté, on va dire, de la NSM qui elle-même a des conflits d'intérêts avec elle-même dans les enquêtes qu'elle mène, pour cette redondance, sur les appareils qui eux-mêmes ne respectent pas les normes qui sont affichées non plus. Il y a plus de 40 appareils iPhone et autres qui sont montrés du doigt comme ne respectant pas les nombres limites. Et pourtant, en plus, c'est des nombres limites qui ne considèrent même pas d'ailleurs les mutations, les effets mutagènes de ce qu'on appelle l'arc-en-ciel électrique chez Arthur Fürstenberg. Okay. Livre de lire. Moi, je vais rajouter par rapport à ce qu'on a dit sur les bonnes et les mauvaises entités. Je me trompe peut-être, mais pour moi, je ne vois pas la différence et je m'explique pourquoi. C'est parce qu'elle soit bonne ou mauvaise, je ne lui ai pas donné l'autorisation de venir dans mon cerveau, de venir discuter. Je ne lui ai pas donné mon consentement. Après, s'il y a une bonne entité qui se trouve en face de moi, pourquoi pas? Mais dès que tu parles de mauvaise ou de bonne entité, même qui vient dans mon rêve
ou qui viennent, je ne sais pas moi, pendant tu fais un rêve ou l'abduction ou tout ce qu'on veut, dès qu'on me dit mauvaise ou bonne entité, pour moi, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Ben parce que quelque part, tu rentres quand même dans mon corps. Je ne t'ai pas donné l'autorisation, tu rentres dans mon esprit. Donc pour moi, à la base, une bonne entité, qu'elle soit vraiment bonne, elle n'a même pas besoin de ça. Elle ne vient que si tu l'appelles, a priori, et elle se comporte bien. Tout à fait d'accord. Hein, ceux qui remarquent lors d'une hypnose qu'ils sont habités d'une entité, qui dit « mais je suis là pour m'occuper de toi », tu peux lui dire, ouais, t'aurais pu me demander la permission, quoi. Moi, si je descends à la cave et qu'il y a un mec qui range mes bouteilles en disant, ouais, je range, tu vas lui dire, ouais, c'est ça. J'allais te le dire. Et le saucisson, tu l'as rangé aussi. Paul, qu'est-ce que tu peux rajouter? Ben, moi, je pense ça, par exemple, il faut voir comment les entités agissent. Donc, et le truc le plus bête, mais personne. En ufologie, personne dans l'alternative parle de cela. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des contacts. J'ai parlé avec des gens qui ont eu des contacts avec des entités, mais aussi avec des ovnis, contacts télépathiques. Et puis, ils disent, j'ai été envahi d'amour. Envahi, mais voilà, l'amour n'envahit pas. L'amour est... Et quand on regarde ensuite l'impact de ces contacts sur ces gens, on se rend compte que leur vie a été totalement détruite. Une personne, par exemple, qui a vu un de ses contacts, avait une carrière, mais vraiment prometteuse. Et après cela, toute sa vie est partie en cacahuète, pour rester poli. Et il a des problèmes financiers, des problèmes de santé, et tout cela. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a des entités qui sont capables de mimer nos pensées. Ça, c'est tout le travail de Jerry Marzinski sur les pensées intrusives. En parlant avec Jerry Marzinski, je me suis rendu compte que son travail, les implications étaient beaucoup plus grandes que cela, parce que ce n'est pas seulement les pensées intrusives, mais c'est même certaines pensées positives ne viennent pas de nous. Et ça, c'est typique des entités qui littéralement prennent le contrôle pour nous mettre dans des voies de garage. Donc tout ce qui est imposé sur nous, ce n'est absolument pas positif. Et voilà, si on ne demande pas aux entités de venir, qu'elles ne viennent pas. Et c'est pareil même des entités, par exemple, qui détruisent des couples, c'est le phénomène du love bite dont parlent des chercheurs comme Eve Lorgen et James Barclay. Mais ces entités agissent sur les pensées de deux personnes d'un couple, par exemple, et provoquent des disputes pour détruire le couple, et elles se nourrissent de cette énergie de destruction. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand il y a des groupements de chercheurs de vérité, par exemple, il y en a 9 sur 10 qui volent en éclats. Pourquoi ? Parce que des entités se mettent dans le groupe, parasitent les pensées et créent des disputes. Et ensuite, ben, ça génère du louche, ça nourrit les entités et ça fait que le groupe qui pourrait faire avancer les choses va finir par voler en éclats. Et ça, c'est valable même pour des gens qui se réunissent autour d'un repas, par exemple, pour discuter de tout ça. Il y a très, très, très souvent des disputes qui arrivent. Et ça, c'est l'action directe de ces entités. Donc, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est clair qu'elles escroquent notre consentement, ou bien elles nous leurrent à consentir à elles, par exemple, par des contrats d'âme. Après, les gens disent, oui, mais les contrats d'âme, c'est pour évoluer. Tout simplement, si on ne s'en souvient pas, ça ne fait pas évoluer du tout. De deux, elles envahissent les rêves, elles créent des contrats d'âme en rêve qui mènent dans des voies de garage. Simplement, les gens ne s'en souviennent pas, donc c'est une violation de la souveraineté individuelle, et ça va de fil en aiguille. Ce n'est que ça avec les mauvaises entités. Elles contournent notre libre arbitre. C'est ça. Et parfois, c'est même plus vicieux. Elles se font passer pour des êtres de lumière et elles nous leurrent justement à consentir à elles.
C'est une entité qui t'a fait tomber ton livre. Exactement. Pam, tu as quelque chose à rajouter ? Eh bien, à côté des remote viewers, il y a aussi les hypnoses régressives, quantiques ou pas, etc. Parmi elles, il y a une branche qui s'intéresse à la communication animale. Et quand on communique avec un animal, tout de suite, on a une reconnaissance de sa conscience qui établit un nouveau rapport de présence à cet animal. Vous ne le considérez plus de la même manière. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand vous constatez que le chat en sait plus sur votre santé que vous-même ou des choses comme ça, vous vous dites « Oups !» Comme tout à l'heure, tu disais, c'était une autre vidéo, et chacun a son intelligence appropriée et il n'y a pas de compétition à avoir. Chacun a un truc dans lequel il a un don particulier et à lui de se le mettre en évidence et de le faire fructifier, quoi. Donc, les entités Ziti, prédatrices ou pas, ce qu'elles apprécient ou ce qu'elles redoutent, c'est justement d'être confrontées à quelqu'un qui a son niveau. Alors, à partir du moment où on arrive à développer assez de télépathie et de conscience de soi, de possibilités de double attention, de perception décalée, d'intuition, voire même le développement des cinq sens par la géobiologie ou la bioénergie, on arrive à un niveau qui fait de nous une entité cosmique beaucoup plus respectable, voire dangereuse aux yeux de ceux qui pourraient être prédateurs, et respectable et qui donne envie de communiquer aux ITI positifs qui attendent ardemment de pouvoir nous voir libres et faire cesser. Parce que finalement, là, on est le bétail qui ne se rebelle pas actuellement. Vous voyez, même dans les films de Walt Disney, le coq, il veut s'échapper de la basse-cour, quoi. Hein? C'est ça. Je ne me rappelle plus trop le film, mais l'idée, c'est de se barrer, quoi. Pour une raison, quand on vit mieux en dehors des... Voilà, c'est vrai qu'il y a le renard, il y a ci, il y a ça, mais on vit mieux en liberté que soumis. Ma prochaine question intéressante, elle va être plus pour toi, Paul. De préférence. Quels sont les pouvoirs et les capacités des entités ? Basiquement, ces entités sont des êtres technologiques. Elles n'ont pas de pouvoir psychique à proprement parler, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'âme, donc elles n'ont pas de connexion divine. Donc tout ce qu'elles ont, ou elles ont coupé leur connexion divine. Bon, après, on peut rentrer dans la cosmologie et tout ça, mais c'est extrêmement long. Donc on ne va pas y rentrer là-dedans. Mais basiquement, elles n'ont aucun pouvoir psychique organique. Tout ce qu'elles ont, ça vient de la technologie, de leur technologie qui a plusieurs milliers d'années d'avance sur ce qu'on connaît. Et leur technologie, c'est des technologies qui manipulent nos pensées, c'est des technologies où les entités peuvent maîtriser différentes dimensions, c'est des technologies aussi de manipulation de la réalité, c'est des technologies de manipulation du temps, d'où l'effet Mandela, d'où même les synchronicités. C'est extrêmement intéressant et important d'étudier les synchronicités parce que les entités sont capables de manipuler notre réalité. Il y a des cas de personnes qui se réveillent carrément dans d'autres timelines. Et ça, c'est les personnes qui s'en souviennent. Mais très souvent, quand la réalité est modifiée, les gens ne s'en rappellent même pas, un petit peu comme dans le film Dark City. Donc, notre réalité est modifiée en permanence. On peut se réveiller demain avec une histoire complètement différente, histoire individuelle ou histoire collective, histoire avec un grand H, et ne même pas s'en rappeler. Parce que, basiquement, pour ces entités, cette réalité est comme un jeu vidéo qu'elles sont capables de manipuler en permanence. Elles peuvent aussi inclure leur conscience synthétique dans cette réalité, donc manipuler cette réalité, manipuler nos pensées. Basiquement, c'est comme un jeu vidéo dont le but est d'extraire notre énergie. Simplement, il y a un facteur sur lequel toutes leurs technologies n'ont pas d'impact, c'est notre conscience.
conscience. C'est aussi notre connexion divine et notre capacité d'élever nos vibrations. Et ce qu'elle cherche à faire, c'est à couper ça, à nous leurrer, à consentir, à couper notre connexion divine. Par exemple, ce qu'elles font, c'est même pour le milieu alternatif, c'est beaucoup de séminaires où des gens vont faire des espèces de rituels pour communiquer avec d'autres entités. Quand je parle de rituels, je parle de chants, de danse et tout ça, de répétition d'actions pour communiquer avec d'autres entités dans des séminaires. Et simplement, ces gens-là, ils demandent carrément à ce que des entités négatives rentrent. Donc, et ces entités vont couper progressivement notre connexion divine. Après, l'exemple extrême, c'est tous les rituels sataniques et tout ça, mais même certains rituels qui paraissent beaucoup plus light, des rituels occultes, coupent la connexion divine. Et ça, c'est vendu comme quelque chose de plutôt, comme des choses de plutôt positives. C'est certaines formes de chamanisme. Même il y a des gourous New Age, par exemple, qui disent aux gens, bon, ben, aujourd'hui, on va aller dans un champ et je vais ouvrir les portes dimensionnelles pour vous faire percevoir les forces négatives. Mais ne vous inquiétez pas, je les maîtrise, tout va bien. Simplement, les gens qui vont à ces séminaires et qui payent souvent une fortune, ils reviennent complètement détruits. Il y a des couples qui ont volé en éclats, des gens qui sont tombés malades suite à ça. Donc, il y a tout le milieu New Age qui rend les entités glamour alors qu'elles ne sont pas glamour, qui disent Lucifer, Enki, c'est magnifique, alors que c'est la fausse lumière, c'est des entités négatives, disons les choses, même chose que l'obscurité, même chose que Satan, c'est d'autres dénominations. Et donc, il y a tout ça. Et puis, ben, au niveau du mainstream, tout est fait pour couper notre connexion divine et pour qu'on y consente. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un exemple typique avec les OGM, les machins comme ça et d'autres choses aussi qui ont été faites. Mais je pense que c'est même beaucoup plus subtil que ça parce qu'ils nous leurrent à demander notre propre asservissement pour littéralement couper notre connexion divine. C'est ce qu'ils détestent le plus en nous. Et le transhumanisme, c'est quoi? C'est de leurrer les masses à consentir, à demander la fusion avec la machine parce que c'est présenté comme quelque chose de cool, comme quelque chose qui augmente l'intelligence et tout. Donc, progressivement, ce qu'ils veulent, c'est que les gens le demandent, qu'ils consentent directement à perdre leur âme. Et c'est ce que fait le New Age et tout ça, toute la propagande de la Confédération Galactique qui vante le transhumanisme en disant les neuro-implants, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui nous fait apprendre plus vite. Simplement, les neuro-implants, c'est aussi pour avoir accès à nos pensées et tout ça. Donc, ces entités, ce qu'elles détestent, c'est notre connexion divine et elles font tout pour couper notre connexion divine. Il y a des exemples évidents dont les merdiens ont parlé pendant plusieurs années et d'autres beaucoup moins évidents qui concernent l'alternatif et tout ça. Mais ce qu'elles n'aiment pas en nous, c'est notre connexion divine et notre capacité à créer. D'ailleurs, elles le court-circuitent pour qu'on crée la réalité qu'elles veulent nous imposer, alors qu'on pourrait créer une réalité humaine, une belle réalité, une réalité comme la vraie création. Pam. En effet, il faut se méfier de ces séries là, qui sont aguichantes, mais qui sont sinistres. Il faut se méfier de chat GPT et de ses consoeurs, confrères, qui donnent des choses fausses, des faux résultats en plus, et qui prennent une place de plus en plus prépondérante à un niveau entre notre conscience, notre volonté, notre intellect. Et la puce de Neuralink, là, on peut se méfier parce que tous les spreadsheets d'aujourd'hui constatent que s'ils ont survécu, ils peuvent constater d'ailleurs avec une certaine application sur leur iPhone qu'en traversant un cimetière, ils vont se heurter à des émissions d'adresses MAC qui proviennent des tombes fraîchement réalisées suite à des chutes, enfin des augmentations d'une certaine mortalité,
les différentes qualités de notre population sous des prétextes qui sont absolument indéfinis et inconnus aux yeux des officiels et de certains fact-checkers. Et c'est pas drôle, mais bon, ça fait du bien. Et donc, ces gens-là, maintenant, disposent quelque part d'une sorte de neuralink, d'implant. Alors, ces histoires d'implants, là, ça permet des fois des choses incroyables. Quand on écoute Metallic Man qui travaillait pour le MJ-12, enfin, une des succursales du MJ-12, il était en contact avec d'autres entités et des agents du MJ-12, pas forcément humains, donc, entre autres, et il était en contact avec la partie du domaine d'où venait EBA 1, interviewé par McElroy à la suite de Roswell. Et donc, lui, ça lui permettait des fois de changer de ligne temporelle. Et c'est un sujet que je trouve super délicat parce que j'ai eu beaucoup de mal, moi, à le visualiser, à le concrétiser, à le concevoir, à le percevoir. Mais je sais que ça arrive des fois. Ça m'est arrivé à la suite d'une méditation personnelle, unique, tout seul comme un grand, de décoller et de perdre la notion du temps, de voir que hier, aujourd'hui, demain... Il n'y avait plus de séparation, hein, il n'y en a jamais vraiment eu, mais et d'avoir une perception non seulement à 360 degrés, mais je dirais même plus, une perception en sphère, hein, pas uniquement à l'horizontale, mais plutôt en sphère, et de pouvoir concevoir que quand aujourd'hui je défends le remote view, je suis dans la même veine. C'est ce qui me permet de concevoir que ça marche, que c'est vrai. C'est parce que quand on écoute aussi Dan Winter, il arrive à la suite d'une certaine cohérence cardiaque et d'onde alpha à créer un espace de vortex par lequel des aveugles peuvent voir. Tout le monde d'ailleurs peut le faire en se mettant un bandeau. Il arrive à voir des choses que normalement il ne pourrait pas voir puisqu'il a les yeux bandés. Certains enfants arrivent même à voir un livre dans la pièce d'à côté, et d'autres enfants encore plus aguerris dans la pratique. C'est donc une discipline mentale, hein. Ça c'est la vraie spiritualité quelque part. Hein. La spiritualité, c'est l'esprit. Hein. Et, ça tombe bien, tu me fais penser à quelqu'un. Attends, parce que l'enfant, là, il finit par pouvoir voir et lire le bouquin qui est dans la pièce d'à côté demain. Alors là ça déchire, quoi. Il n'a plus la limite de temps non plus. On lui fixe une date et il visite l'endroit à la date désirée quasiment. Donc tu connais l'histoire à la portée de tout le monde normalement. Tout le monde peut pas voir, mais tout le monde peut jouer du piano, quoi. La vidéo que j'ai faite hier sur Nikola Tesla. Je vois pas le rapport. Il est dans la pièce. Deux chambres plus tard, il entend la montre qui fait tic, tic. Oui, d'accord. Je comprends. Oui. C'est un peu la même visualisation avec transfert, ubiquité quelque part, spatio-temporel. C'est puissant. Et là, j'aime bien travailler sur un humain qui a toutes ces capacités là. Parce que sinon, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Ouais. Paul, dis-moi, est-ce que chez les entités, ils ont, comme nous, ils sont hiérarchiques ou pas du tout ? D'après les témoignages, ils sont complètement hiérarchiques. C'est un système hyper hiérarchisé. D'ailleurs, pour nous manipuler, les entités nous ont leurrés à consentir à ce système hiérarchique de pyramide ou le sommet de la pyramide. Vampirise le bas de la pyramide. Bon, je simplifie un petit peu, mais c'est cela, mais c'est extrêmement hiérarchique. Dans les abductions, il y a clairement, et ça, David Jacobs a été le premier à en parler, mais aussi d'autres abductés comme Lisa O'Hara, par exemple, Steve Aspen aussi, il parle de cette hiérarchie avec basiquement des gris en bas, d'autres gris en haut, des reptiliens, des insectoïdes, au-dessus, et ça a été confirmé par des hypnothérapeutes, spécialistes d'hypnose régressive, comme André Dachi, par exemple, qui a bien confirmé cette hiérarchie. Et justement,
ils ont mis en place ce système hiérarchisé ici pour que symboliquement on consente à la hiérarchie, pour qu'elle puisse nous manipuler. Et même si on va encore plus loin, c'est une espèce de chaîne alimentaire qui part de l'humain vers ses entités. D'accord. Et justement, est-ce que on connaît ceux qui sont en haut de la pyramide? C'est plus ou moins les dracos, et ils sont associés, il paraît, avec un groupe d'Orient parmi lesquels on pourrait trouver, comme dans le film Jupiter Ascending, on peut trouver la noblesse, ce genre de noblesse-là, qu'on appelait les Abraxas, paraît-il. Et qui normalement avait passé des contrats de protection et d'infiltration avec l'humanité il y a 17 000 ans, parce que l'humanité était alors soumise à ce qu'on appelait l'Ancien Empire, qui sont comme le domaine, mais empire. C'est empire. C'est encore plus brutal, encore plus colonial. Et on peut estimer que c'est un petit peu comme la Légion étrangère. Quand vous entamez une démarche de colonisation, vous envoyez d'abord les plus brutaux pour dégrossir le terrain, si on peut dire, quoi, quelque part. Et par la suite, il va y en avoir d'autres. Et donc, la Terre est soumise à ça, et normalement, ces contrats de 17 000 ans ont cessé récemment. En 2015, 2016, 2017, il y a eu toute une série de contrats comme ça qui avaient été passés, et qui font qu'aujourd'hui, les anciens directeurs du Deep State, meneurs d'ordre, chefs, qui sont nombreux, quelques dizaines, on va dire, normalement, ils ont perdu leur soutien exogène, non humain, qui leur amenait technologie et savoir spatio-temporel pour placer le bon ordre au bon moment, des choses comme ça, qui font que ça met de l'huile dans les rouages de l'histoire et le déroulement des divers événements qui sont tous calculés à l'avance, quasiment, et qui dénotent d'un spectacle général dans lequel interviennent plusieurs armées avec plusieurs sous-jacences qui, des fois, ont des groupes sauvages, c'est-à-dire qui n'obéissent plus, qui ont pris leur marque et font un peu, comme Prigogine, on va dire, ou comme sous Bijar, il y avait Bob Denard pour nous, je pense qu'on en trouve chez tout le monde, et comme ça. Mais bon, moi, je pense que ça, c'était une stratégie qui permet aujourd'hui à Poutine d'avoir assuré le nord de la frontière ukrainienne vis-à-vis des velléités polonaises, etc. etc. Bon, je pense que ces deux anciens copains qui ont fait connaissance sur les bancs de la mafia de Petrograd ou de Saint-Pétersbourg, et je pense qu'ils savent des trucs l'un sur l'autre, ils doivent déchirer la rubrique. Donc, on ne voit pas, je pense, hein. Revenons à nos moutons. Oui. Voilà, ici donc, et maintenant, allez. Donc voilà le paysage global avec tous ces différents groupes qui essayent de s'infiltrer les uns les autres et qui nous trahissent régulièrement à tous les niveaux. Là aujourd'hui, on sait que Xi, Poutine, par le biais de Bibi et sûrement d'une partie des BRICS, développe la route de la soie avec une cybernétique incroyable, énormément de programmes informatiques où sont placés tous les agents de Bibi, avec la technologie qui va avec, ce qui fait qu'ils ont fait une infiltration en douceur, comme l'ont fait les Chinois, qui se sont mis partout dans tous les commerces. Ils n'ont même pas besoin d'envahir, ils sont déjà partout. Parce qu'on dit, ouais, la franco-américaine, machin, mais bon, il y a les centres Confucius, et puis... Toutes les grandes nations infiltrent les uns les autres comme ça. C'est ce que je pense qu'est le problème de conception qui manquait aux Gilets jaunes, entre autres. Tu débordes, là. Oui, mais c'est parce qu'il y a une relation avec notre politique, avec notre vie de tous les jours. C'est de comprendre qu'il y a des niveaux incroyables d'interférence entre la politique qu'on imagine et qu'on nous décrit à la télé et ce qui se passe vraiment, ce qui est décidé sur le terrain. Sur Terre, ouais, pour la Terre entière. Et tant qu'on n'a pas ces conceptions-là, on reste souvent soumis, justement, là. Les gens, parce que c'est fou, ils contactent une entité et l'entité lui donne des renseignements en échange de son âme. Mais quel papa ou quel homme
donne des renseignements à un enfant en lui disant « maintenant, je suis propriétaire de toi, de ton âme », tu vois. C'est un truc qui dépasse. Donc, c'était cet esprit-là où il y a cette soumission dont profitent les méchants et qu'il faut absolument essayer de libérer, hein, c'est un carcan. C'est des gens très bien, très gentils, mais qui très souvent sont soumis, par exemple, à un livre sacré. Et ils n'ont même pas voulu lire Mauro Biglino pour se rendre compte que les traductions de ces livres sacrés avaient été sacrément frelatées. Parce qu'il y a des gens qui savent que finalement, ils se soumettent là à des entités non humaines. D'autant plus, on voit le résultat des courses au bout de 2000 ans de pratique. C'est une catastrophe mondiale. Et ça leur convient tout à fait aux méchants. Et j'en arrive à penser que c'est très dur à réaliser, mais il faut bien comprendre que si tout foire dans ce qu'entreprend l'homme pour s'en sortir, parce qu'on a tout inventé pour la santé, pour la technologie, on a déjà tout inventé. Si tout ce qu'on a fait de bien pour s'en sortir tourne mal contre nous actuellement, c'est parce que c'est fait pour. Et donc, il y a des entités qui ne veulent pas que le bon côté des technologies Tesla passe dans les bonnes fréquences et ne soit pas avec des trucs qui interfèrent avec notre cœur ou d'autres rythmes, et que les ondes ne soient pas en harmonique de 432 Hz et d'autres distances en harmonie avec la distance de Planck ou Phi ou autre chose, et donc en harmonie avec la vie, créant une néganthropie. Et un moyen, c'est l'endroit encore où Dan Winter va chercher le cône de cette relation au point zéro. C'est l'endroit où on crée une néganthropie qui permettrait presque de remonter le temps, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment très, très intéressant. Et c'est l'endroit où, en fait, on est hors d'atteinte des entités et où on n'a pas besoin, on n'est plus du tout vampire d'aucune énergie extérieure, puisqu'on peut devenir créateur nous-mêmes vraiment. Depuis le point zéro. On est assurément très facilement Sungazer pranaïste là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a un niveau d'humanité divine déjà un peu mieux, un peu plus haut, quoi, hein, parce que c'est jamais fini la croissance. Hein. Mais là, je pense qu'on n'a plus de problème de prédation en plus, ni nous-mêmes sur notre environnement, ni un environnement qu'on ne voit que très peu sur nous-mêmes. Mais bon, on a le temps, hein, mais chacun doit s'y mettre. une question, justement, je vais vous parler. Donc là, par contre, on va éviter de parler des mots pour éviter que la vidéo se fera supprimer. J'ai envie de parler de gras-gras. Pourquoi j'ai pris ce mot gras-gras? Parce que quand vous regardez toutes les technologies qu'on a pu inventer, l'être humain, comment se fait-il que l'être humain a arrivé à faire ce gras-gras? Est-ce que le gras-gras a été fourni par des entités? Eh bien, Paul, vas-y, je t'en prie. Absolument. De toute façon, tous les outils d'asservissement sont fournis par des entités. Par exemple, par quel type de moyens? Par des communications directes. Donc là, je vais faire... simple, parce que sinon on pourrait en parler, oui. on pourrait en parler des heures et des heures. Alors, il y a ce qu'il faut comprendre, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Pam, c'est que le complexe militaro-industriel, le CMI, est quelque chose qui est extrêmement, quand on parle du CMI, on parle bien évidemment pas de l'armée classique, que ce soit l'armée américaine, l'armée française, l'armée chinoise, l'armée russe. On parle du sommet où il y a fusion entre multinationales, armées et choses secrètes. Donc, tout ça forme le CMI. Et basiquement, ce CMI est lui-même extrêmement, extrêmement fractionné. Il y a beaucoup, beaucoup de... factions. Il y a des factions qui sont en communication directe avec ce qu'on peut appeler les entités non humaines, extraterrestres ou extradimensionnelles. Donc là, c'est tous les accords qui ont été passés depuis au moins le 19e siècle, voire avant, puisque tout basiquement, les confréries et tout ça communiquaient à leur sommet avec les entités sans âme.
Et puis, il y a, c'est ce qu'on appelle the breakaway civilization. C'est la civilisation parallèle qui a été très, très bien étudiée par des historiens comme Joseph Farrell, comme Richard Dolan aussi, qui ont vraiment enquêté sur ça, qui l'ont très bien fait à la fois au niveau économique, au niveau géopolitique, en parlant de l'économie parallèle, du black budget et tout ça. Donc, il y a ça, mais c'est extrêmement fractionné. Et basiquement, il y a des factions qui ont des communications directes, donc qui reçoivent toutes ces technologies de la part de ces entités via des accords où très certainement l'âme de ces gens au sommet est échangée contre ces technologies qui permettent un contrôle des masses humaines. Et puis à d'autres niveaux, plus bas dans la hiérarchie, qui ne reçoivent qu'une partie et de manière très indirecte. Par exemple, le crash de Roswell a été une mise en scène des entités sans âme destinée à être découverte. C'est ce qui explique que Philippe Corso, par exemple, ce qui explique le témoignage de Philippe Corso, qui explique comment certains artefacts découverts à Roswell sont ensuite passés dans le mainstream. Basiquement, c'est le complexe militaro-industriel qui, via les multinationales, fait passer cela dans le mainstream. Et parmi ces technologies, il y a Internet, par exemple, qui vient des entités sans âme. Le microprocesseur est issu des entités sans âme. Et Internet, bon, à la base, c'est neutre. Ça permet de transmettre cette information, de s'informer. Ça permet de communiquer avec des gens à l'autre bout de la Terre. Donc, à la base, c'est plutôt bien. Simplement, ça a été vendu, les bons côtés ont été vendus pour que les gens deviennent accros à Internet. Et maintenant, on ne peut rien faire sans Internet. Les téléphones portables, c'est exactement comme cela. Et ça a clairement été voulu. Donc, pour ce qui est du gras-gras et tout ça, c'est pareil, c'est toutes des technologies qui viennent de ces entités, de ces entités non humaines. Et ça, on peut parler aussi des biotechnologies, de tout ce qui est toutes les choses, les traînées qu'on voit partout autour de nous, toutes ces technologies viennent de ces entités par l'intermédiaire à la fois d'échanges et aussi de mise en scène de crash, c'est-à-dire que ce sont les entités crashent exprès leur vaisseau pour que les choses soient retrouvées et pour que l'humain, via le CMI, utilise tout cela pour son propre asservissement. Pam, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Si tu te rappelles, il y a Elisabeth Ier qui a gagné contre la grande armada espagnole à la suite d'une tornade qui s'est déclenchée dans la Manche et qui a coulé l'armada espagnole. Heureusement, parce que sinon, elle prenait une raclée. Et elle a fait ça grâce à John Dee. Et John Dee, il est rentré en communication avec les macrobes. Et il a channelé, on lui a proposé de l'apprendre calmement, il était un peu trop feignant ou il n'a pas pu, et du coup il a morflé d'un channeling obligatoire qui a duré, je ne sais plus, quelques heures ou 20 minutes, ou à la suite duquel il a beaucoup souffert, enfin durant lequel il a beaucoup souffert a priori, mais qui lui a permis de télécharger absolument le langage énochien, comme dans Matrix, Neo peut télécharger le Kung Fu en ça, quoi. Et par la suite, il y avait aussi The Beast, Aleister Crowley, qui avait laissé une méthode de manière à ce que, par exemple, au JPL, qui était non seulement le Jet Propulsion Laboratory, mais surtout à la base le Jack Parsons Laboratory, où il essayait de créer, lors de cérémonies Zarbi le soir, un enfant qu'ils auraient appelé le Moonchild, qui aurait été disposé à être l'incarnation d'une entité malsaine à sa naissance. Un petit peu comme Rosemary's Baby, quoi, l'affaire. Bon. Il filme pas mal, tiré d'un scénario pas mal, venant d'un personnage bizarre aussi. C'est un peu toujours le même milieu qui nous amène ces idées-là, mais c'est savoir. Ils nous ont dit ce qu'ils allaient faire et comment ils le faisaient. Par contre, ils truandent un petit peu la version qu'ils nous donnent et ils la transforment et ils essayent d'attirer du monde aussi. On a vu
le succès de Madonna et la ruée de toute une population de gens du milieu vers la Kabbale et autres, qui a permis de les affilier quelque part, puisque la Kabbale qui était vendue en librairie est en fait fausse. Ça, ce qui n'est pas du tout étonnant, puisque c'est issu d'un savoir de la part de gens qui nous mentent. Donc, il fallait un peu s'y attendre. Mais enfin, toujours est-il. Donc, ces gens-là arrivent à télécharger, et je pense qu'à certaines occasions, eh ben, il y a des sacrifices, et qu'il y a des gens qui se font posséder à la suite de ça, ou accèdent lors de la nuit à des possessions ou des inceptions, tu comprends, qui leur donnent les idées, qui leur donnent la bonne formule. Einstein a dit plusieurs fois avoir visionné pendant sa nuit ou pendant ses méditations, ses rêveries, des solutions à des problèmes qu'il cherchait. Bon, écoutez, les artistes attendent l'inspiration de leur muse. Il faut se méfier. Il faut être bien centré. Il faut être le plus haut possible en vibration saine, le plus loin possible de ce qu'on appelle les péchés d'envie, de possession, de tout ce qui est en fait de bas niveau de vibration. Et à partir de ce moment-là, en étant en plus, on fait un petit yoga de purification, de centrage, de bulles, on se prédestine à être plutôt bien inspiré, et en plus, si ça tournait mal, tout soit annulé, par exemple, ce qui éviterait que des gens qui ouvrent les portails oublient de les fermer, comme l'a fait Aleister Crowley, ce qui avait lancé pas mal de problèmes, qui, paraît-il, ont été plus ou moins réglés depuis. Mais il faut voir, vu la situation actuelle, vu le fait que quoi qu'on dise que le bas astral a été nettoyé, on n'arrête pas de découvrir en fait de nouvelles entités qui, grâce aux technologies, viennent habiter ces espaces énergétiques, parce qu'une onde, c'est une énergie et ça sert de chemin comme de nourriture aussi à ces entités qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir envahir tous les espaces transdimensionnels auxquels nous, humains, étincelles divines fractales avons accès par le biais justement de cette pollution interne diverse et variée, et surtout avec l'acceptation. À partir du moment où j'ai accepté l'intromission d'une puce RFID ou d'un Neuralink ou d'autres technologies, il y a à ce moment-là, au niveau de l'énergie propre, une soumission volontaire qui est censé être respecté dans le cosmos, parce qu'il y a un libre arbitre normalement qui est toujours possible. C'est vrai que les entités nous laissent rarement le choix. La vie est dure si on cède pas, si on reste ferme, mais on avait le choix. C'est pas facile du tout, et on en arrive très facilement à devenir un peu Diogène. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, à quoi sert, hein, à quoi bon, à quoi boniste. Yes. On reprend le possible, mais à quoi boniste ? La vie est une leçon qu'il vaut mieux prendre du bon côté, mais ce n'est qu'une leçon, un jeu, d'autant plus qu'on s'est fait abuser a priori lors du passage tunnel lumière par les entités shape-shiftant, prenant des aspects auxquels on se soumet parce qu'on a une mémoire qui a été chamboulée là, parce qu'on te fait vivre les meilleurs moments de ta vie, les pires, les meilleurs, le pire, le meilleur, et après ça on te fait un choix. Alors, tu veux te réincarner pour sauver la planète ? T'as pas fini ton boulot ? Tu vas te perfectionner ? Et à ce moment-là, on te met le disque dur à zéro avec un choc électrique incroyable qui a été vu en remote view par Aziz Brown et son père Courtney Brown, hein, du Farsight Institute, qui ont gardé un peu plus de mémoire que la moyenne des gens de ce passage-là, et qui l'ont trouvé très très pénible, désagréable, outrancier, vexant. Et ce sont des gens très bien intentionnés, très gentils. Hein. Ils sont pas du tout, ils n'ont pas du tout un orgueil débordant. Je veux dire, de l'avoir pris comme ça, c'est bien pour nous réveiller et nous dire ne laissez plus ça faire. Vous faites vraiment, ça fait peine, ça fait mal au cœur. Ouais. Alors j'ai une dernière question, puis on va arrêter l'interview. Là, c'est plus rien à voir avec les entités. Je voulais savoir votre théorie. Il y a une théorie qui dit que
les Égyptiens, c'est eux qui ont construit toutes les pyramides qui se trouvent sur Terre. Je m'explique pourquoi je dis ça. Quand vous allez en... On va prendre l'Australie ou en Chine, ou même du côté de Bali, parce qu'il y a des pyramides même là-bas, on leur voit sur leurs traits des visages qui ne sont pas blancs ni jaunes, ils sont plutôt noirs. Tu vas de l'autre côté, pareil, du côté des Incas, même un petit peu plus loin, c'est la même chose. Donc, je voudrais savoir votre point de vue par rapport à ça. Paul. Alors, mon point de vue personnel, c'est que quand on est tombé dans cette fausse création, il y avait une civilisation globale qu'on peut appeler l'Atlantide, qu'on peut appeler la Lémurie, peu importe comment on l'appelle, une civilisation globale, la Tartarie aussi, et que cette civilisation était extrêmement avancée parce que les entités ont donné à un moment les technologies pour que les masses consentent à cette fausse création. C'est tout la métaphore du péché originel, c'est ça la technologie. Certaines marques d'ordinateurs et d'iPhone sont d'ailleurs, leur symbole, c'est la pomme et tout ça. Donc les entités ont dit, prenez notre technologie, vous serez comme des dieux, parce qu'en fait, ce que les entités cherchent, c'est notre âme. Donc, les humains de la vraie création sont tombés là-dedans. Et pour accentuer le consentement, les entités sans âme ont au départ présenté une sorte de prison dorée, une prison dorée comme la Tartarie, la Lémurie, l'Atlantide, peu importe comment on l'appelle. Et puis, à un moment donné, ce faux âge d'or n'apportait pas suffisamment de louche, parce qu'un âge d'or, même faux, n'apporte pas suffisamment de louche. Donc, ce qu'on fait, ou d'énergie psychique, peu importe. Donc, ce qu'on fait les entités sans âme, c'est qu'elles ont altéré la timeline et elles ont mis une timeline synthétique qui correspond basiquement à notre, qui correspond basiquement à ce qu'on peut appeler l'histoire officielle. Donc, il y a deux réalités effectivement qui coexistent. Cette histoire officielle qui dit que les Égyptiens étaient primitifs et tout ça, qu'ils utilisaient les rondins de bois, c'est quelque chose qui coexiste dans le sens où ça a été programmé dans notre réalité par les entités sans âme, comme dans un jeu vidéo. Mais il y a toute cette histoire alternative qui aussi coexiste. Et là, c'est le concept de faux âge d'or, de chute dans la fausse création et tout ça. Et basiquement, la timeline synthétique a été superposée à cette timeline. Donc, les deux timelines coexistent. Et un archéologue qui est dans l'archéologie classique trouvera des artefacts qui correspondent à l'archéologie classique parce qu'ils se branchent sur la timeline synthétique. Quelqu'un qui est dans l'archéologie alternative trouvera des artefacts qui correspondent à l'archéologie alternative parce qu'il est dans cette timeline alternative. Et en fait, les deux ont raison puisque nos timelines ont été manipulées. Donc, moi, je pense que oui, il y a eu cette civilisation globale, au moins dans une autre timeline, dont des vestiges coexistent ici. Donc, ce que tu dis est tout à fait plausible. Et toi, Pam? Je ne me rappelle plus la question. je parlais des Égyptiens qui construit toutes les autres pyramides, oui. Un peu partout. Non, je pense que c'est une technologie qui est connue galactiquement. Je pense que tout le monde a compris les moyens qu'a l'électricité et le magnétisme d'être canalisés, utilisés. Et ces différents niveaux de cristallisation, depuis la lumière jusqu'à la matière. Je crois qu'ils ont compris comment fonctionne une pyramide, en clair. C'est vraiment une multimachine aux nombreuses utilisations. Mais il y en a sur la planète qui sont quand même d'âge trop différent. En Indonésie, on remonte à 80 000 ans.
En Égypte, on ne sait pas si c'est 10 005 ou 25 000 ou 48 000, ou... puisque régulièrement, tous les 12 000 ans, il y a un cataclysme général qui fait basculer la croûte globalement et retour après un certain temps. Ce qui fait que régulièrement, l'Antarctique à une époque est équatoriale et ça nous pend au nez bientôt que ça se reproduise. La France aussi sera tropicale, hein, vous inquiétez pas, le problème c'est pas ça, c'est la vague à l'aller et au retour, et sûrement aussi l'hiver général qui va s'en suivre, parce qu'il y aura un volcanisme accru en plus. Hein. Donc ça explique pourquoi il y a très peu de restants des anciennes civilisations, et pourquoi est-ce que dans les grottes Chauvet, en fait, ces dessins qui paraissent primitifs sont des cartes du ciel d'une grande exactitude, et d'autant plus la réalisation dénote d'un savoir-faire qui a permis à ces pigments de durer 30 000 ans à peu près. Donc, prévoyez ça pour les 10 ans à venir, hein, ou 10, 15 ans à venir à peu près. Il y a des gens qui ont dit 2026, 2027, je ne sais pas, c'est un peu tôt. Mais actuellement, les transformations électriques sur la planète s'accélèrent. Alors, régulièrement, il y a eu ça. Donc, il y a eu une période atlante qui, a priori, aurait pu durer entre moins 120 000 ans jusqu'à moins 9 000, selon Platon, et se désagréger en plusieurs phases. Et auparavant, on disait qu'il y avait eu la Lémurie, et avant, il y aurait eu Mu aussi, dont, en fait, vous voyez, quand vous connaissez la technologie et que vous survivez pour une raison ou une autre, soit vous étiez à l'abri, soit vous avez un ovni à votre disposition et vous escampez le temps que ça se calme, ou vous passez comme les Hopis en souterrain pendant de nombreuses générations, en étant guidés à l'époque par ce qu'ils avaient appelé un peuple de fourmis géantes, hein, de la taille des mantis à mon avis, mais donc plutôt bienveillantes, quoique quelque part. Voilà, le problème c'est... La vie sur Terre, aujourd'hui, c'est plutôt un enfer qui n'amène pas ce à quoi elle devrait servir. Néanmoins, une vie naturelle saine permet à l'âme d'intégrer une dimension 3 qui nous donne l'accès au goût du chocolat. Il y a des choses que les entités, en général, disent, mais ça, on ne connaît pas. Les gens qui ont des contacts avec les Sasquatch et les Yétis savent que ces derniers apprécient vachement le miel, par exemple, et le chocolat. Et ils se font des petits cadeaux comme ça. En échange de quoi, le Yeti ou le Sasquatch leur donne, par exemple, des cristaux, des pierres particulières, ou des plantes, quand c'est un chaman, Kewini Lapseritis, pour ne pas le nommer, enfin, pour le nommer, en l'occurrence, qui a, comme ça, des fois, des contacts. Et par le biais, en plus, un jour où il avait très mal au dos, mais à ne plus pouvoir se lever, de se faire soigner par des grands gris qui sont entrés en contact avec lui au bout de 3 jours grâce à son contact Sasquatch. Mais c'est des contacts qui exigent que... lui, c'est un chaman amérindien local, et il dit qu'il faut être pur aux 4 niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel et au niveau spirituel. Genre, hein, je me trompe peut-être, mais il faut être purifié à ces 4 niveaux, parce que pour l'instant, toutes les entités, là, nous considèrent comme très bruyants et violents et inconscients. Vous avez vu cette vidéo où, en Afrique, il y a des bandes armées et il y a des mecs qui, un soir de biture, filent leur kalachnikov à un chimpanzé qui commence à tirer avec. Vra, vra, vra. Voilà, ils nous considèrent un peu comme ça. Nos pensées sont des énergies et quand on ne les maîtrise pas, elles peuvent blesser, a priori. Des gens qui seraient très calmes, très doux, très bienveillants. Voilà, donc il nous faut maîtriser ça. Vraiment, je reviens, hein, vous allez dire, il radote. Ça va être 3 fois que je finis mon petit discours par ça. Mais je pense que c'est une des solutions. D'autonomie, de souveraineté et d'évolution, et elle est gratuite à quelque chose près, quoi. On essaye de faire tous, nous, là, en sorte que ce soit accessible gratuitement à tout le monde, quoi. Yes. Ok. Eh bien, écoutez, très bien. Merci à vous deux. Merci à toi, Pam. Merci à toi, Paul. Merci, Jellico. Ben, avec plaisir. Et puis, je vous souhaite à vous deux une très bonne soirée.
Et Paul, je te dis à demain. À demain, 20h. Yes. Vous restez encore avec moi quelques minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.